je me déguiser en soubrette. Bah, tu vois, je pense que ça fera pas trop le taf. Après tout, ouais. On peut essayer. C'est gratos. On peut pas. Oh, vas-y, fais déborder, hein. Ok, ça regarde ça. Et... le plan parfait. T'as rien vu. Par contre, faut arrêter de faire déborder l'eau. Il vient voir le... Ah mais je suis garde. C'est bon, t'es un garde. Non, juste, c'est bon, j'ai résolu la... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a malaise. Il y a vraiment une scène de malaise. Ah. Arrestation. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir fait déborder les éviers. Bon, je sais plus si on a été bon sur le 2. Je pense que oui. Excellent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une pression plutôt grande, parce que faut qu'on soit au moins aussi excellent que quand on avait joué au 2. Entraînement, très peu pour nous. Non, merci. Directement, l'histoire d'Hitman 3. Cinématique précédemment, petit coup. Un petit coup, ouais. Récompris du scénario, hein. C'est parti. A secret organization working in the highest echelons of power. C'est les anti-masques. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Bah, faut réfléchir, voir plus loin que le bout de son nez. Je lis entre les lignes un peu. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray. Lucas Gray. Oh. Mais regarde, Lucas Gray, c'est un anagramme de Joe Biden. Ta gueule. Ce jeu n'est pas un jeu vidéo. Bah, je pensais que ce serait plus long et avec plus d'images. Ouais, voilà, je me suis dit, on va avoir des vidéos et tout. C'est l'agent 47. Ah non, il a pas de tatouage dans le cou. Oh, il a des cheveux maintenant. Oh, c'est trop bien qu'il lui ait mis des cheveux. Mais non, mais c'est pas lui, il a pas de tatouage dans le cou. Je sais, je rigolais. Ah, d'accord. J'essaie de rigoler, je sais pas ce que je fais. Kind of company known as Providence. Ouais, tu vois, je suis venu. Ouais, bien vu ça. C'est Dubaï? Je sais plus où on est. C'est pas Dubaï, c'est quoi? Je veux pas, moi, que tu que je te dise. Non, on était en Arabie Saoudite. C'est Dubaï alors? D'accord. Mais qui regarde sur sa carte du monde où est-ce que c'est Dubaï? Alors. Laisse-moi deux secondes. D'accord. Difficulté professionnelle. Pourquoi? Oh là, oh là, oh là. Pourquoi? Oh là. Détends-toi. Non mais on peut pas changer. Parce qu'il y en a trois, donc ça c'est un peu le mode normal. Bah mais normal alors. Tu vois Terra, les combats sont difficiles mais justes. Donc c'est le principal. Ok. Welcome to Dubai. Ah c'est vraiment. Ah tu vois, je t'ai dit que c'était à Dubaï. Regarde, c'est que des influenceurs. Regarde, ça va à Dubaï en ce moment les youtubeurs, hein. Ouais. Oh bah, la technique c'est d'emménager la moitié de l'année à Dubaï et l'autre moitié en France, comme ça bah pas d'imposition en France. Allez zou. Il y a pas mal de vent donc on va partir d'ici. Attends, alors moi je serais lui, je me mettrais directement à quatre pattes et je marcherais lentement. Oh là. Le mec aime. Eh Gérard, regarde. On va se lâcher ici. Oh, mais ne le lâche pas comme ça. C'est un malade mental. Oh, c'est beau. C'est très beau, hein. On apprécie ce mec. J'ai pas tout mis au maximum pour avoir une meilleure expérience, mais c'est beau. On a des couillasses. En même temps, t'as un parachute, donc au pire. Oh, à mon avis, tu te prends 2-3 barres en dessous. Ouais, bon, ça fait bing, mais... Alors, je suis quel genre de personne ici? Je suis quelqu'un de respecté ou... Alors, t'es incognito, mais t'es pas non plus un VIP. Bah, tu vois, ce mec me dit que je suis très respectable, m'indique la voie, je suis quelqu'un d'important. Il a dit quoi exactement? J'ai rien compris. Alors, j'ai pas fait le tuto, je voudrais juste avoir la touche pour la vision. Tu dois repérer ta cible. Et bien c'est tab, finalement, toi. Ah, ok, vas-y. Et là, il y en a une là, et l'autre là-bas. Ici. Toilette, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant. Mais quand t'auras fini tous les petits fours et les 3 coupes de champagne... Ouais, je garde l'info. Ah, il y a une intrigue. Bon, je vais juste prendre ton apparence, en fait. Oh, s'il y avait pas ces dames, je vous aurais vu le ciel. Oh. Attends, elle regarde peut-être pas. Et donc, en du vrai coup... Oula. Oh là. Vous avez pas vu, elle. Oh, cache-toi dans la fille. Ouais, let's go. Oh les gars, désolé. Coupe la musique avant qu'un autre garde arrive. Allez hop, je vais suis avant. Le vautour. Sans les cheveux, c'est crédible. Oh écoutez, ça va. Il est arrivé avec les cheveux tout à l'heure. Oui, je suis allé chez le coiffeur. Pas d'armes sur moi, seulement des médicaments et une corde de piano. Attends, moi si j'avais du poison, à la place, je marquerais sur l'étiquette Guronzan. Et voilà, j'avais marqué Doliprane ou Guronzan, du coup c'est bon. Bah... Attends. Ils m'ont fouillé, monsieur... et ils m'ont dit que tout était ok. Je me rends. Non mais là, là ça ne va plus là. Oh monsieur Kazim, vous n'avez pas de cheveux, ça vous va très bien. Monsieur Kazim, vous avez perdu votre toupet. Tu sais que j'ai cru que c'était la meuf et j'allais carrément mettre du Guronzan dans sa bouteille d'eau. Non mais c'est pas la cible, non, du tout, c'est c'était deux mecs la cible. Ça y est, on va avoir une réunion, on doit se comporter comme le vautour. Oh non mais tu sais c'est gênant, ça va être toute une journée dans la peau du vautour. Ça va être très gênant. Deux hommes... armé. Oh le f... Canette de soda, mec, c'est maintenant. Il faut que j'arrive à mettre du poison. Va te rafraîchir. A few moments later. Pour la réunion. Oh, bonjour, oh. Désolé, j'étais aux toilettes. Mon gros crâne chauve là. Oh.
bien lisse. Interromps-le et dis, vous avez mauvaise mine. Vous voulez un guronzon? Je vais arrêter de cadrer sur le coin. On a l'impression qu'il a levé la tête pour nous voir. Vous voyez? Fais-moi un bisou sur le crâne là. Hans Lucht. 47 peut l'éliminer ou le neutraliser, puis le prendre en photo pour montrer qu'il est capable d'accomplir la mission. Le, on a une mission dans une mission. Le vautour, c'est un tueur à gage en fait. Ouais. Bonjour. C'est très gênant là. Ah, c'est que tu le trouves au milieu. Hein. C'est un peu grassouillé. Ouais. Lunettes, cheveux longs. C'est lui. Bar, au bar. C'est un ivrogne. Journaliste, c'est forcément un ivrogne. Tiens, la théorie du bar. Mr. Lucht, I hear you're looking for information. Oh, je me permets. Pendant qu'il lui parle. Allez-y, continue. Faites pas attention. Allez, venez avec moi. Bah, emmène-le dans les toilettes. Oh, d'abord, un petit passage aux toilettes, monsieur Lucht. Monsieur, deux hommes qui vont aux toilettes, ça n'a rien de suspect. Allez, venez avec moi. Oh, il y a du monde non, aux toilettes. Ouais, merde, il y a du monde. C'est les hommes ou les femmes ici? Peu importe, venez avec moi. Ça devient suspect, là. Non, mais attends, là, il se dit pas, il y a un problème. Ah. Oui, normal, vous êtes aux toilettes avec un homme que vous ne connaissez pas. Allez, hop. Mon appareil photo de téléphone. Montre-lui bien le visage là. Yes, that's it. Si vous aussi vous voulez assassiner des gens dans les toilettes discrètement, vous pouvez vous procurer le jeu sur l'Epic Game Store avec le code créateur Wankin, bien évidemment. On n'oublie pas, le jeu vient de sortir, n'hésitez pas. Le lien est disponible dans la description. Elle a ça, ça. C'est, ça alors, c'est ça. Un régal. Et ça, c'est une offre. Je vais lui mettre la tête dans les toilettes sans raison. pirate le truc jaune, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Super, Terra, oh, super. Oh non, super. Oh, non. C'est pas de ma faute. Bah, maîtrise-le lui aussi. Ah. Aha. Bon bah ça commence à être le bordel dans ces chiottes. Je crois vraiment qu'il y a encore dame pipi hein. On va mettre 15 personnes dans les chiottes. Bah écoute, madame, c'est pas dame pipi, c'est juste quelqu'un qui... Madame, excusez-moi, vous vous lavez les mains, vous avez terminé les questions? Du moment que vous ne rentrez pas dans les toilettes duquel je viens de sortir, vous pouvez rester. Après on pourrait se dire, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mauvais moment. Et d'un coup... J'ai pas appuyé, c'est lui qui a appuyé, j'ai rien fait. Maintenant faut la traîner. Écoute, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Il y a plein de gens à qui ça a dû arriver dans la vie, voilà. Oui. Looking good, man, looking good. Bon, merci, vous êtes super sympa. C'est super sympa. Non, mais si j'étais quelqu'un d'important, ce serait mal placé. Ouais. Azim, welcome back. So, you have the... Oh, c'est pas du tout un sujet tabou, c'est... quoi. Vous vraiment... l'avez tué? Vous pouvez me le prouver, c'est bon. C'est les tâches des assassinats, quoi. Y'a aucun problème. Our guest will be delighted. He's waiting. En tout cas, pour l'instant, pas repéré du tout. Ouais, bah, attends que quelqu'un ait envie de pisser. Ouais, en fait, juste si quelqu'un a envie de pisser, on est repéré. Ils sont pas morts, je croyais que j'aurais dû les tuer pour pas qu'ils se réveillent. Non mais ils vont peut-être se réveiller en mode oh la gueule de bois, le champagne, tabasse. On dirait le début d'un court métrage, genre comment on est arrivé tous les trois dans ces toilettes. C'est Very Bad Trip. Non, fais pas ça. Oh pardon. Il est loin le penthouse. Mais t'as une pomme dans la main, tu sais, ça fait faux mec cool. Ouais vraiment, faux mec cool qui jongle avec sa pomme là. Qui va croquer dedans à un moment décisif. Merci, je vais ranger ma pomme. Vous pouvez arrêter de parler de la photo devant tout le monde. Okay, people, discuss some delicate business. Bah là on va être seul à seul avec lui, seul à seul avec notre cible. Tout le monde sort, let's go, c'est maintenant. Alors, dans quoi je vais le ranger? Dans quoi je vais vous ranger? On a un garde. Ok, un garde, un mec. Oh, vous voulez pas aller sur la terrasse par hasard? C'est des vitres opaques ou... Attends, va de l'autre côté pour vérifier. Oh pas du tout, vous êtes dans l'autre sens en fait. Oh je vais le tenter hein, j'en ai rien à foutre, je vais le tenter hein. Non mais t'es un ouf, tu vas avec lui sur le balcon. Et tu vas rentrer dans la pièce tout seul. Oui bah il a changé d'étage, changement là. Il a pris que l'ascenseur. Ça fait quoi si je fais ça? Vous la voulez cette pièce? Tu vas le pousser? Je vais grave le pousser en fait. Salut mon... Salut. Bon, si les gardes nous demandent où il est, il est là-bas. Ah non, c'est un oiseau. Non, c'est ça. Regarde, il vole. Il a des ailes. Écoute, en fait, hein, ça te suffira peut-être. Mec, il les écoute. C'est très gênant comme situation. Endosser le rôle de garde du corps. Pour étrangler cette petite finasse. Oh, le placard, attire-le. Oh oui. Maintenant. Salut collègue. Ah. C'est moi, on s'est vu tout à l'heure, tu me reconnais? On vient de parler, je n'ai pas la même voix ni la même coupe de cheveux, mais... Bon, salut à tous. Oh, j'ai besoin d'un garde du corps, il a dit. On va le suivre, non? Vous allez où? Vous allez où, par curiosité? Putain, parce il est vraiment là... dans une zone... Pourquoi vous? Ah, il se fait suivre, mais si tu te débarrasses du mec qui suit. Rien. Il y a un placard, moi. tu peux tuer les deux. Ah, ah non, il a entendu. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, y'a rien. Ah ouais, c'est un silencieux. Bah, s'ils arrivent, tu fais...
Ah ! Quoi ? Mais il y a peut-être des mecs derrière. Tu vas quitter ton poste. Il y a eu un point d'interrogation. Je lui chuchote ça dans l'oreille. Il a eu un point d'interrogation en mode et pourquoi donc ? Oh, il va y avoir un pou pou qui va partir là. Oh, j'ai envie de faire pou pou pou. Oh vas-y, c'est bon, on avait une intrigue, on se retrouve à faire une expo avec le mec. On est son pote, limite. Couteau dans la tête de l'autre. Ah, attends. Oh, bah c'est encore mieux que ce que je pensais. Ça dégage. Encore trouvé? Non, non, vous l'avez pas trouvé, non. Non, regardez. Mais ton parachute, il est où? Il est là. Tout était prévu, je quitte la mission. Tintintin. Tintin. Eh, hey, franchement, ça s'est bien passé, putain. I don't like executive decisions. Les décideurs. Ça passe, hein, les décideurs. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Aux ordres. Established an empire. C'est pas pété, là? N'importe quoi. Ça fait un vieux bruit de tôle. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the constant. Don't leave the estate without. Il y a juste à la buter? Eh ben, ça va peut être compliqué. En vrai, y a même pas besoin. Je veux dire, on attend encore, je pense, une semaine et c'est bon. C'est la nature va s'en charger. Ça, c'est méchant. Putain. C'est sombre, ça. C'est vraiment méchant, ah, c'est quoi. Noir, ça, vraiment. C'est vraiment noir, putain. La revenante, putain. Même eux, ils sont vénères avec... La momie, comme on l'appelle. Non, mais ils sont au courant que t'es là, hein. Non, je suis pas là. Bah, poupou, les gardes, là. Et voilà. Je vais activer l'aspirateur, quelqu'un va venir. Non, par contre, il y a trop de monde là, il y a la pièce principale, c'est mort. Par contre, si c'est une meuf, je vais devoir prendre un habit de meuf. Non, mais tu peux pas, il y a trop de monde. Batterie de voiture. Je pense que tu vas en foutre, mais bon. Moi non plus. Mais prends pas la batterie. Il a pris la batterie. Ah, il a pris la batterie. Ah, tiens, prends le fusible, on sait jamais. On sait jamais. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ce fusible dans la main. So, Madame Carlyle wants a picture taken with a missing fuse. Eh ben voilà, on a le fusible. Eh bien allons-y, j'ai un fusible. On l'a vraiment. Moi j'aimerais le mettre. Monsieur, j'ai votre fusible. On doit peut-être le mettre discrètement. Déguisez-vous en photographe. Ah, on va te suivre. Vous avez des pièces. Ah, c'est vrai que les pièces, on les utilise pas. Pourquoi se faire chier avec des pièces? Je suis très peu dépensier. Nickel. Voilà. Je suis photographe. Bah, ça va se dérouler sans accroc. Ah, ils vont faire une photo de famille, c'est nous qui allons prendre la photo. Tu vois, je pense qu'il y a peu de joueurs qui ont fait cette intrigue du fusible là. Intrigue terminée. Et maintenant, guidez-moi, qu'est-ce que je fais? Attends, mais s'il vous plaît. Je vais quoi? Je vais l'acheter dans la fontaine. Oh, 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 tournevis. Oh non, oh non. Oh non, non, oh, non, 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 vite, un tournevis. Ils arrivent tous. Oh, il fallait préparer ils la scène. Ils arrivent tous. Trop tard, regarde, regarde, il y a toute la putain de famille. Mais on aurait électrocuté toute la famille là. Mais oui, ça aurait été trop marrant. Retire le fusible. Oh, fais-le devant tout le monde, rien à foutre. allez, où est-ce t'étais? Oh, la belle photo de famille. Tu vas prendre la photo au moment où elle est électrocutée. Attention, où est-ce t'étais? Cheese. Yes. Hop là, je m'en vais. J'ai rien fait. On l'a tiens, vu. Tu veux pas aller voir elle la scène dehors de crime vite fait? Voir ce oui, qui se passe donc. Oh putain. Non, parce que je la répare. C'est bon, c'est fixé, hein, voilà, si vous me demandez. In front of me, the greenhouse. Mec, elle a toujours pas compris que l'important c'était le crime qui venait d'arriver. Une serre. C'est vrai qu'on a pas été dans la serre en fait, hein, alors que c'est un endroit où on peut aller. Non, on peut aller voir. Eh, tu me l'as bouffé ton foie gras au fait? Non, pas encore. Oh, il y a dans ma cuisine avec les petits toasts qui étaient avec. Quand ça va y aller? Ça va y aller. Bah, au bout d'un moment, je vais le déverrouiller avec un pied de biche. Hein. Bon, bah voilà, on déverrouille. Ah oui, il y a que le légal quoi. Non, wow, bah non, wow, je l'ai pas wow, fait. Wow, non, non, je l'ai wow, pas fait. Wow. Ah ouais, mais là c'est combat. C'est ouais, combat, ouais, c'est combat là. C'est quoi ça? Une lettre. Ah non. Une lettre d'Alexa Carlessi à sa fille Rebecca qu'elle n'a jamais envoyée. On y dit que deux jetons en possession de Rebecca de Monsieur Fernsby, le majordome, doivent être combinés. Ensemble, les jetons donnent accès à un coffre spécifique de la banque Milton Fitzpatrick. Ce coffre concernera une copie du dossier sur Arthur Edward. Donc le majordome, il est bien dans le coup du truc. Ah, ça y est. Les couilles, frère. Oh, c'était quoi son boulot lui? Tu t'en fous ah, ou quoi? C'est ton boulot. Vous voulez qu'on le tue comment? Coup de fer, coup de clé anglaise? Ça devrait l'éteindre là. À sa place, j'aurais vu le meuble bouger un peu quand même. Aïe 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 aïe.
That's a token for a vault in the Milton Fitzpatrick London Bank. You need a pair and you gain access no questions asked. Ouais, c'est pour ça qu'on va trouver Rebecca. Rebecca! Tiens, puis je vais vous prendre un abricot. C'est quoi le truc qui dépasse? Oh oui, vas-y. Ouais, mais ils vont... Ils vont pas t'engueuler parce que t'as tiré le livre. C'est juste un livre. Le mur va juste se dépasser, c'est tout. Pourquoi y'a un point d'exclamation si ça dérange personne? Oh les passes. Oh mais hey, c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Moi, ce que je kiffe, regarder des comptables comme ça, là. Oh putain, vas-y, pianote sur ton ordinateur, là. Vas-y, mets les taxes, là, mets les taxes, putain. Oh, tu mouilles pas la TVA, oh, salaud. Rebecca, c'est vous? On a notre jeton, ici. Tu crois que c'est le jeton, ici? Rebecca, je t'attends. Elle arrive, tu te mets de ce côté-ci, tu jettes la pièce du côté de l'armoire. Pas de temps. Alors, pas assez riche comme ça? Allez. Le jeton, c'est Rebecca, le jeton. Oh, vous avez des interférences, on vient de finir la mission déjà, on est trop fort. Mais ça veut dire qu'en fait on a fini la mission alors qu'on n'a pas trouvé le bouquin? Non mais en fait le dossier, ils ont dit qu'il était à la banque et qu'en fait pour aller à la banque il faut les jetons. Ah, donc okay. On faisait bien ce qu'il fallait. Ça ne mènera à rien ici, si ce n'est une très belle vue. C'est magnifique. L'Angleterre.